Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Et aujourd'hui, j'ai souhaité faire un tirage sur quel miracle êtes-vous pour les autres? Parce que souvent, quand on parle de miracle, c'est toujours ah, mais tu es un miracle pour moi, ou j'ai vécu un miracle. Mais ce que vous ne savez pas peut-être, c'est que vous êtes aussi un miracle pour les autres. Et c'est très important aussi d'en avoir conscience que vous êtes un cadeau pour les autres. Donc nous allons voir ensemble quel miracle vous êtes pour les autres. Pour cela. On va prendre les tea leaves. On va prendre les tea leaves pour faire le choix, d'accord? Quel miracle êtes-vous pour les autres, mes chères belles âmes? Là, ça fait beaucoup trop, donc je vais tirer. Ok. Et un autre tea leaf, s'il vous plaît. Ah là, il y en a trop. Il y en a trop. On va attendre que ça saute bien comme il faut. C'est important pour ce tirage. Et je souhaitais aussi vous remercier en rapport à votre fidélité, à vos commentaires bienveillants, à vos mots encourageants. C'est quelque chose qui me porte, hein, donc vraiment merci beaucoup. Je remercie aussi les nouveaux arrivants sur cette chaîne YouTube. Donc voilà, c'est important de le dire. Et merci également pour les personnes qui me font confiance pour une consultation thérapeutique. C'est aussi un domaine très important pour moi parce que c'est important que je puisse accompagner le collectif et vous donner des messages importants pour la suite, mais également faire un travail sur soi parce que ce n'est pas simplement avec des tirages que vous pouvez travailler sur vous. Cela demande des efforts, cela demande une démarche personnelle. Cela demande d'entendre vraiment des choses très personnalisées en lien avec la libération transgénérationnelle et karmique, et que cela, vous avez besoin d'avoir du recul, et que c'est pour cela que les thérapeutes, les artisans de lumière sont là. Ils sont là pour vous servir, pour vous accompagner, pour que vous puissiez vous aussi aller dans votre lumière et peut-être, qui sait, accompagner les uns et les autres au travers d'une activité que vous allez faire, d'un nouveau métier que vous allez faire ou simplement en étant une très belle écoute pour les autres parce que on a aussi besoin d'être entendu dans sa souffrance et d'être accepté avec cela, d'être accepté avec notre propre vulnérabilité. Car je le rappelle à chaque fois, mais notre vulnérabilité est notre plus grande force, parce que c'est ce qui fait de nous des êtres uniques, et nous sommes tous liés les uns aux autres. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de comparaison à avoir. Il s'agit vraiment d'être en lien avec les autres, de pouvoir partager, de pouvoir se comprendre, de pouvoir coopérer ensemble. Et je dis cela d'autant plus avec tout ce qui se passe, avec toute cette dualité de haine, de comparaison, de supériorité des uns par rapport aux autres qui nous impacte mondialement, parfois au travers de guerres, au travers de manipulations, de chantage. Donc c'est vraiment important que déjà au niveau individuel, nous soyons conscients de cela et que nous dépassions cet ego qui finalement nous met en guerre contre nous-mêmes et donc après contre les autres. C'est cela le travail d'un artisan de lumière, mes chères belles âmes. Je souhaitais vraiment faire ce petit topo qui me semble important dans ces jours un peu brumeux pour les uns et pour les autres. Et plus vous alimentez des débats d'ego, c'est-à-dire
Tu ne comprends pas mon point de vue, j'essaye de t'expliquer que ça, c'est la bonne réponse, etc. Et plus vous alimentez votre guerre intérieure et la guerre avec les autres. Parfois, vous savez, le silence est d'or pour pouvoir calmer et apaiser. Ceci étant dit, mes chers Berizam, nous allons voir ensemble quel miracle vous êtes pour les autres. Vous avez en premier lieu, alors je vais mettre mes lunettes parce que je vois mal. Vous avez staff, qui veut dire aussi le personnel, les employés. Hein, vous voyez le mot staff, par exemple, sur les portes, pour dire que c'est uniquement pour les employés et que le public ne peut pas y accéder. Staff, en premier choix. Au début, je croyais que c'était un saxophone ou quelque chose comme ça. Que nenni, pas du tout. En deuxième choix, vous avez bird perched, donc l'oiseau qui est perché donc sur son arbre. Ça, c'est le deuxième choix. Et le troisième choix, vous avez casquette. Alors, je crois, si je ne me trompe pas, je vais quand même vérifier pour être sûre, mes chères belles âmes, de ne pas dire de bêtises par rapport à ça. Alors, cercueil, oui, c'est bien ça. Casquette, c'est cercueil. En troisième choix, mes chères belles âmes. Et puis moi, je vous retrouve pour la suite avec le troisième, le premier choix. Qu'est-ce que je dis? Le premier choix. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi staff en premier choix. N'hésitez pas à aller faire un tour sur l'introduction si vous ne l'avez pas fait parce que je dis des choses assez profondes qui pourraient résonner avec vous pour la suite, d'accord? Alors, nous allons voir ensemble, évidemment, quel miracle vous êtes pour les autres, mais avant cela, voyons un petit peu vos énergies du moment ou votre état d'esprit du moment pour voir si ça coïncide avec le choix, le numéro 1 que vous avez fait. D'accord? Il y a quelque chose, c'est un petit peu la sensation que j'ai, c'est comme si vous aviez deux puzzles qui étaient éparpillés et paf, paf, ça s'est réintégré dans le grand puzzle. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez la carte de la créativité. Donc peut-être qu'il y a une idée qui est en train de germer et qui fait que vous êtes plein d'ardeur et ça vous conforte dans l'idée que votre intuition est bonne et que du coup vous avez les drapeaux verts pour pouvoir mener vos actions à bien afin de faire germer ce beau projet que vous avez peut-être en tête qui est en lien peut-être avec la créativité. Il peut s'agir de quelque chose d'artistique ou d'un projet que vous avez qui peut vibrer énormément pour vous et qui convoque chez vous un sens de la créativité que vous aviez du mal peut-être à retrouver ou à vous reconnecter parce que vous étiez stressé dans votre vie et que quand on est stressé, on a beaucoup de mal à être créatif et donc à être productif, bien entendu. On me parle aussi de burn-out. Donc il y a comme si vous mettiez le pied à l'étrier vers un renouveau, ce qui est vraiment intéressant pour vous. Ça peut être aussi un partenariat que vous pourriez avoir dans le futur. Par rapport à ce beau projet, on va prendre aussi des charms.
Donc, il y a quelque chose qui est en train d'éclore avec cette fleur, hein, par rapport à cette idée. Et vous aurez plus d'un tour dans votre sac ou dans votre chapeau, d'accord? Et c'est en train, ça va germer vraiment durant l'hiver puisque vous avez ce flocon. Et vous allez étendre ce projet beaucoup plus loin que vous ne le pensez. Bien entendu, on vous demande de vous protéger. Alors, ça veut dire plusieurs choses de vous protéger. Ça veut dire déjà de ne pas dilapider cette information que vous avez, de ne pas dilapider cette information aux autres. Pourquoi? Parce que vous risquez de recevoir des projections de peur, de jalousie, de négativité de la part des autres, notamment ceux qui vous jalousent ou des personnes avec qui vous entretenez des liens toxiques. Donc, ne cherchez pas à être approuvé par les autres parce que ça pourrait se retourner contre vous, parce que il y a beaucoup de personnes ben, qui vont avoir peur pour vous, mais qui en réalité résonnent derrière avec de la jalousie, ou qui vont projeter chez vous toutes les peurs que eux-mêmes ont et qui font qu'ils sont incapables d'accéder ou de faire germer leur propre projet. Donc, ne tuez pas la poule aux œufs d'or. C'est important pour vous, d'accord? Ok, ceci étant dit, nous allons voir maintenant quel miracle vous êtes pour les autres. Et quoi de mieux que de commencer avec les maîtres attentionnés, que sont les maîtres ascensionnés? J'adore ça. Alors, nous allons voir ensemble. Et je suis vraiment heureuse d'être dans au mois de décembre, même si c'est un temps. Même si c'est un tirage intemporel, parce que c'est la fin d'un cycle et c'est aussi le renouveau. Et j'aimerais vraiment que vous partiez avec, comment dire, de belles énergies, avec des mots qui peuvent vous booster pour la suite et vous aider à avoir l'énergie nécessaire justement pour faire germer qui vous êtes. C'est vraiment mon souhait le plus cher. Donc, on vous demande de vous concentrer sur vos forces et de ne pas dilapider cela en projetant aux autres toutes vos peurs, parce que vous risquez de recevoir justement aussi de la peur, des doutes, et ça va vous impacter au niveau de votre chakra du troisième, enfin le troisième chakra qui concerne le chakra du plexus solaire, c'est-à-dire la confiance. Ça pourrait miner votre confiance, ça pourrait vous amener des doutes parce que vous aurez parlé trop vite aux gens et que ils ne sont pas dans votre tête, ils sont uniquement dans la leur. Donc prenez conscience de cela. Les guides vraiment insistent sur cela. Vous n'avez pas besoin d'être approuvé par les autres. Un exemple, moi par exemple, lorsque j'ai décidé de tout lâcher pour aller au Japon, eh bien, je n'en ai parlé à personne, sauf à des gens de très très grande confiance, c'est-à-dire très très peu, parce que je ne souhaitais pas recevoir de la jalousie, je ne souhaitais pas recevoir les doutes des gens, je ne souhaitais pas recevoir l'incompréhension des gens, je n'avais pas besoin de recevoir l'approbation. Alors j'ai préféré me taire et j'ai commencé à en parler à mon entourage très proche à partir du moment où ma décision avait été prise, où j'avais donné un préavis pour mon appartement, où j'avais commencé vraiment à checker les billets, c'est-à-dire à être vraiment dans le concret de la matière. Parce que sinon, il y a la possibilité que le doute aidant, la peur aidant, vous fassiez marche arrière alors que vous étiez dans de très très bonnes disponibilités au départ. Donc, prenez soin de cela. Concentrez-vous uniquement sur vos forces et ne vous laissez pas malmener par les autres. Alors, le silence est d'or. On vous demande de purifier et de protéger votre énergie. Donc, ça veut bien dire ce que cela veut dire. Parce que si vous projetez, si vous dilapidez cette information, c'est comme si vous alliez tuer potentiellement la poule aux œufs d'or que vous êtes. D'accord? Le miracle que vous êtes, c'est que vous avez le don de purifier l'endroit où vous êtes naturellement par votre belle énergie. Donc, on vous jalouse énormément. C'est pour cela que on vous dit le silence est d'or. Vous pouvez pratiquer cela en étant silencieux, en étant silencieuse. Vous purifiez les énergies. Et c'est pour cela que
Vous pouvez parfois être comme une éponge et c'est pour cela qu'on vous demande de purifier et de protéger votre énergie parce que c'est quelque chose de précieux. C'est ça votre miracle. Et en cela, je vous rejoins également parce que j'ai ce don-là de pouvoir apaiser les gens, de pouvoir purifier l'espace juste avec ma présence. Et avant, je n'en avais pas conscience, mais les gens, en fait, n'arrêtez pas de me dire, ah Azuki, mais c'est fou, comme tu es apaisante, comme tu me calmes, etc., etc. Moi, je disais, ah bon, ah bon. Mais quand on est conscient et consciente de cela, il est nécessaire de purifier son énergie. Donc, vous êtes un miracle pour les autres parce que vous avez justement cette même capacité d'apaiser un endroit, d'apaiser et de purifier des énergies négatives. Mais on vous demande aussi de vous protéger, d'accord? Ok. On vous dit également que sur mon Patreon, donc qui est une plateforme où je crée du contenu spirituel, vous pourriez vous abonner éventuellement pour avoir des clés pour vous purifier, pour vous protéger des énergies environnantes, parce que ça, c'est quelque chose de très important si vous-même vous êtes quelqu'un de pur. Et cet abonnement va vous permettre vraiment d'avoir accès à toutes les vidéos que j'ai pu faire. Et cela vous sera d'un grand soutien pour la suite. Ok. Autre chose, donc nous allons voir avec le soleil radiant, quel miracle vous êtes pour les autres. Et vous voyez cette purification que vous pouvez avoir, ce don que vous avez, c'est vraiment quelque chose de précieux parce que les gens ont besoin de vous. Les gens ont besoin de votre présence. Mais ça, c'est à vous de choisir quand. Ce n'est pas aux autres de décider pour vous. C'est à vous de choisir parce que votre énergie n'est pas illimitée, surtout si vous êtes dans un environnement qui peut être toxique ou si vous êtes avec des gens toxiques. D'accord? Plus vous allez vous respecter, plus on va vous respecter. Plus les gens vont décider pour vous et moins vous allez avoir d'espace de guérison pour vous-même. D'accord? Donc c'est important hein, de trouver un juste milieu avec ça. Et comme d'habitude, la carte est tombée. Donc on va voir un peu quels sont. Ok. Le miracle que vous êtes. Ok. Alors, le miracle que vous êtes, et je me retrouve beaucoup là-dedans aussi, c'est que vous avez hérité et vous n'en êtes pas totalement conscient. C'est pour ça que cette carte est à l'envers. Vous avez hérité d'un don, vous avez hérité d'une sagesse qui est en lien avec des mémoires de vie antérieures. D'accord? Ok. Mais vous avez besoin de continuer à purger vos énergies pour pouvoir accéder à cette puissance que vous avez, à cette sagesse innée que vous avez, qui est un don qui vous a été transmis, et de votre lignée maternelle, et d'une vie en particulier vécue dans une vie antérieure. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur ça, reconnaître vos dons et pouvoir activer ce processus. Peut-être avez-vous besoin d'un thérapeute en mémoire akashique ou en mémoire du corps. Je le fais, mais soyez conscient et consciente toujours que vous avez le choix. De déterminer qui vous accompagnera. Donc, je ne vous demande pas de travailler avec moi. Je vous dis juste que je suis habilitée à le faire, mais que si vous ressentez au plus profond de vous que vous souhaitez travailler avec quelqu'un d'autre, faites-le. Parce qu'il s'agit toujours du libre arbitre. Et ça, c'est très important pour moi, que chacun nous puissions avoir notre libre arbitre pour travailler ensemble ou non, de ma part ou de votre part. Ok? Donc, vous avez hérité d'un don en particulier, et c'est en lien. Ok.
au niveau de la lignée maternelle. Vous avez hérité d'un don qui est celui de la persistance, de la consistance, de l'ambition, de voir toujours plus haut, plus grand. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, ça dépend aussi du chemin où vous êtes, d'accord? Mais c'est vraiment quelque chose qui vous a été transmis par une ancêtre de votre lignée maternelle et qui est une femme, d'accord? Et cette femme en question, cet ancêtre en question, avait un don unique. Et c'est pour ça que vous avez cette carte de l'originalité. Parce que vous avez un don unique et combiné avec ce savoir que vous avez, qui vous vient d'une mémoire de vie antérieure, vous pourriez faire naître une façon de travailler, une façon de voir les choses, une méthode particulière qui vous concerne et qui est en lien avec votre propre signature, votre propre originalité, et qui va faire que vous allez être unique dans votre savoir, dans votre façon de transmettre, ça peut être. Une façon de transmettre, ou une façon de travailler, ou une façon, une vision différente de la plupart des gens, et qui va pouvoir être reconnue par les autres. Mais comme vous le voyez, comme ce qui a été dit au départ, il est nécessaire, le silence est d'or. C'est-à-dire de travailler petit à petit, mais dans votre coin, et de ne pas dilapider les informations, parce que sinon, il va y avoir des temps comme ça, où vous allez douter de vous-même, alors que vous êtes sur le bon chemin. Donc, il y a chez vous, en fait, cette nécessité de travailler, entre guillemets, dans l'ombre. Comme je l'ai fait moi, j'ai travaillé dans l'ombre avant de d'ouvrir cette chaîne YouTube et pouvoir transmettre tout cela, parce que j'avais besoin d'être prêt, j'avais besoin de travailler pour être prêt et pour être prête ensuite à pouvoir enseigner au travers de ma chaîne Patreon ou d'enseigner et de transmettre via cette chaîne YouTube, et je le fais à ma manière, sans essayer par exemple d'être comme un tel ou une telle, sans avoir besoin d'approbation, vous voyez? Super. Donc vous voyez, vous avez ce don-là de purifier, et vous avez un don qui est unique. C'est ça, le miracle que vous représentez pour les autres, parce que les autres, ils ne vous ont jamais vu comme quelqu'un de conformiste ou quoi que ce soit. Vous avez une aura particulière, vous avez une énergie particulière. Et c'est vécu comme un miracle pour les autres parce que la plupart des gens, en fait, se conforment souvent à la société, à ce qui est demandé, aux injonctions. Et vous, en fait, les gens ressentent chez vous que vous avez quelque chose en plus et c'est peut-être aussi pour cela qu'on vous jalouse, que peut-être vous avez été bullied, je ne sais pas comment on dit ça en français, que vous avez été attaqué, humilié à l'école par exemple, parce qu'on ressentait que vous étiez différent, différente. Et c'est souvent le cas notamment pour les célébrités qui ont très très mal vécu leur enfance parce qu'ils étaient différents. Parce qu'ils étaient trop grands, ils étaient trop ceci, ou ils étaient trop beaux, ou ils étaient je sais pas. Et en fait, c'est devenu après, plus tard, un grand plus, alors qu'au départ, ils le vivaient très mal, par exemple, le fait d'être grand. Et bien après, ils sont devenus, admettons, top modèles. Et maintenant, ils sont très reconnus, ils sont admirés, tout le monde a envie d'être comme. Mais au départ, en fait, c'est parce qu'ils résonnaient avec une forme d'originalité qui était tellement différent de la plupart des gens que, ben, vous savez, hein, les gens, quand ils sont jaloux, parfois, ils peuvent faire beaucoup de mal, justement, pour essayer de rabaisser et d'humilier l'autre et de le mettre à terre pour ne pas qu'il puisse briller de sa propre lumière et faire naître sa propre perle. Et vous êtes une perle, mes chères belles âmes. Ne l'oubliez pas. Vous êtes la personne la plus importante. Vous êtes une personne originale. Vous avez tellement de choses à apporter aux autres. Donc, libérez-vous du regard des autres, n'essayez pas d'être approuvé par les autres parce que vous avez déjà quelque chose de formidable en vous et mettez en exergue votre créativité, elle est là, votre confort. Super. Eh bien, nous allons prendre
Pour terminer, la magie, la petite magie de la lune, la carte a immédiatement sauté. Donc nous allons voir ensemble. Il s'agit du Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est vraiment laisser émerger qui vous êtes au plus profond de vous et faites confiance à cette guidance parce que peut-être que vous êtes en train de germer cela, peut-être que vous n'en êtes pas encore conscient, mais les cartes ne mentent pas. Vous avez cette originalité et vous avez cette formidable capacité de purifier au travers de votre présence les énergies des uns et des autres qui ont besoin de votre accompagnement silencieux. Le silence est d'or, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela a vibré pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Comme vous le savez maintenant, j'ai aussi un Patreon où vous pouvez vous abonner. Vous aurez tout cela en dessous de la description, enfin plutôt en description en dessous de la vidéo. Et j'ai également une autre chaîne YouTube que j'ai commencée il y a quelques mois et qui concerne d'autres guidances, mais cette fois-ci en anglais. Donc si vous parlez en anglais, si vous souhaitez mettre des sous-titres, si vous souhaitez avoir plus de guidances, d'autres guidances, n'hésitez pas à aller faire un tour et également à vous abonner, mes chères belles âmes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes, je suis tellement ravie de vous retrouver pour ce second tirage concernant le miracle que vous êtes pour les autres, que vous en soyez conscient, consciente ou non. Donc vous avez choisi ceci, Bird Perched. Donc nous allons voir avant toute chose vos énergies ou votre état du moment pour voir si cela coïncide bien avec votre choix du jour. Alors, ok, et une seconde, très bien. Intéressant. Il y a vraiment quelque chose au niveau des énergies collectives, hein, concernant un processus de guérison qui est vraiment nécessaire pour pouvoir s'élever et comprendre qui l'on est vis-à-vis des autres. C'est le pouvoir de dire stop à toutes les projections, c'est-à-dire la réflexion, hein, c'est-à-dire d'être le miroir. D'être le miroir de l'autre et de voir en fait que parfois les gens vont projeter des choses sur vous et maintenant vous avez la force ou vous aurez la force de dire non et de dire stop à cela et de comprendre que ceci est une projection de l'autre sur vous concernant leurs propres peurs, leurs propres appréhensions, leurs propres difficultés et ils vont vous l'envoyer comme si c'était à vous. Et donc vous aurez la force de voir que ben non, ce n'est pas vous et que ça ne vous appartient pas et que la problématique en fait leur appartient, mais que ce n'est pas à vous de dealer avec et qu'on vous projette cela comme si c'était vous. Parce que vous savez, quand on est adolescent, on a souvent tendance à blâmer les parents. Non mais tu ne te rends pas compte, c'est à cause de toi que ceci, que ceci, que cela. Sans prendre conscience qu'on a aussi sa propre responsabilité là-dedans. Je vais vous dire aussi quelque chose de très dur, mais qui est aussi réel. C'est que souvent, lorsque vous avez, par exemple, quelqu'un qui se fait maltraiter par son compagnon, ça peut être ou se faire maltraiter par sa compagne, hein, attention, hein. On est dans un état à ce moment-là d'impuissance et on se sent victime de la situation et on ne se sent pas juste victime, on est victime de la situation. Mais ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que, et qui est vraiment très important à reconnaître en soi, quand on est victime de violence ou quand on victimise l'autre de cette façon-là, c'est qu'il y a toujours un jeu qui s'instaure. C'est-à-dire que pour que il y ait une victime, il faut qu'il y ait un bourreau. Et pour qu'il y ait un bourreau, il faut qu'il y ait une victime. La responsabilité, elle est là aussi. C'est-à-dire que quand vous êtes victime, admettons, hein, je prends l'exemple d'une personne qui est victime de violences conjugales. La plupart des gens vont se demander, mais pourquoi elle reste là-dedans?
Elle pourrait partir. Mais il y a une telle emprise que ce n'est pas possible. Donc la responsabilité de cette personne-là, par exemple, qui se fait violenter, c'est aussi de comprendre qu'elle est dans un processus où il lui est impossible de partir parce qu'il y a une trop grande emprise. Et cela passe par toute une forme de rééducation, de mise à niveau au niveau de son estime de soi, afin de pouvoir avoir la force et de prendre sa responsabilité pour ne plus accepter cela. Et pour ne plus qu'on lui projette le fait qu'elle est victime, qu'elle restera victime toute sa vie, qu'elle sera nulle toute sa vie, etc., etc., par son bourreau. Pourquoi j'explique tout cela? Parce qu'il y a toujours une question de choix. Mais que pour pouvoir faire ce choix, il y a un espace de guérison qui est nécessaire. Et c'est de prendre sa responsabilité et de voir là où on en est dans notre vie pour pouvoir avoir des espaces de guérison, afin de pouvoir acter en conscience et pouvoir se responsabiliser dans toute cette situation qui est là de projection de l'autre sur vous-même. D'accord? C'est important à noter parce que c'est vrai que, et donc bravo à vous si vous en êtes là et que vous avez perçu du coup votre responsabilité dans ce jeu qui peut être malsain, qui peut être toxique. Ça peut être au niveau de la violence conjugale, ça peut être au niveau des relations toxiques, au fait que vous ayez peut-être affaire à un pervers narcissique ou une personne qui vous jalouse, ça peut être vraiment de toutes sortes. Prenez vraiment comment ça résonne. Mais il y a la responsabilité de voir quelle est sa propre responsabilité, quelle est la part de responsabilité de l'autre. Et là où vous avez les choix, c'est votre part personnelle. Et à partir de là, vous pouvez changer la donne. Vous voyez? Ok. Et donc, quand le bird, l'oiseau est perché sur sa branche, c'est que en fait, elle est bien et que elle ne se sent pas en danger parce que sinon, elle irait ailleurs, dans un autre endroit, plus haut, pour ne pas, par exemple, être bouffée par un prédateur, un chat ou quoi ou qu'est-ce. Donc, il y avait vraiment la nécessité de travailler sur cela pour que vous puissiez avancer. Maintenant que je vous ai dit tout cela, eh bien, nous allons voir ensemble quel miracle vous êtes pour les autres et nous allons prendre pour cela les maîtres attentionnés que sont les maîtres ascensionnés. Alors, ok, hop, cette carte volée part sortir. Je la laisse sortir, bien entendu, et celle-ci, parfait. Ok, super. Donc c'est vrai que cela peut être dérangeant, cela peut être inconfortable de réaliser cela, qu'on a aussi sa propre part de responsabilité dans n'importe quel processus, et que ce que l'on vous renvoie en fait vous permet d'avoir une lumière, un nouvel éclairage sur ce que vous avez à travailler, sur ce qui est nécessaire de mettre comme barrière, comme limite saine, afin que vous puissiez continuer à évoluer. Alors c'est très important en fait vos énergies du moment, votre état d'esprit du moment, parce que c'est en lien direct avec le miracle que vous êtes pour les autres. Si vous avez vécu une situation difficile avec autrui, où vraiment vous avez eu le sentiment d'être laminé, d'être déchiré, d'être déconnecté de vous, c'est parce que vous aviez à apprendre tout ce que vous auriez souhaité recevoir comme mot rassurant pour pouvoir vous élever et pour pouvoir partir de cette situation toxique. Et vous avez ce don-là en vous de pouvoir donner le là pour créer le changement positif pour les autres. Vous avez le don pour encourager. Vous pourriez être coach, vous pourriez accompagner les personnes, parce que vous avez tellement reconnu dans vos cellules, dans votre chair, tous les mots que vous n'avez pas reçus pour votre propre reconstruction. Et c'est quelque chose, vous avez une force en vous pour créer le changement positif pour les autres. Vous êtes là pour pouvoir encourager.
pour nommer les mots nécessaires afin de permettre aux personnes de remettre le pied à l'étrier vers un changement positif, vers quelque chose de plus grand, de plus doux, de plus joyeux, de plus permissif. Et l'archange Michaël est avec vous et il vous dit oui, vous le pouvez. Parce que vous avez tellement appris au travers de cette douleur permanente de je peux pas y arriver. Mais si vous avez pu le faire, vous pouvez aussi accompagner les autres. Au travers de cette branche où vous êtes en sécurité et où vous pouvez vous détacher de la situation et ainsi accompagner les autres. Et en cela, vous pouvez également vous guérir de ces blessures profondes. Car tous les mots que vous allez pouvoir dire aux autres, c'est aussi en lien avec vous pour guérir votre enfant intérieur qui n'a pas été écouté, qui a été laminé, qui a été détérioré. Vous avez un pouvoir avec les mots, avec l'intention pure que vous mettez pour pouvoir aussi guérir l'enfant intérieur des autres. C'est un message magnifique pour vous. Vous êtes un miracle pour les autres parce que vous avez le don de guérir au travers de vos mots, comme je le fais avec cette chaîne YouTube. Car je permets aux personnes de travailler sur leurs ombres, sur ce qui n'a pas encore été éclairé. Et vous voyez tous les trésors que vous avez en vous, cette capacité innée en vous de pouvoir prendre soin des autres avec le mot juste pour pouvoir éclairer le chemin vers un changement positif. Et vous allez pouvoir être l'initiateur de ça, l'initiatrice de ça. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte avec la carte des archétypes pour voir si autre chose apparaît? Et vous êtes tel un chevalier pour cela. Vous êtes le chevalier, et vous savez, l'archange Michaël, vous voyez cette épée, c'est l'épée aussi de la vérité. Et vous êtes là tel un chevalier, et encore une fois, vous êtes au-dessus de quelque chose. Donc vous pouvez facilement vous détacher du drame et ainsi pouvoir mieux accompagner les autres. Parce qu'il y a ce besoin de détachement, il y a le fait de pouvoir voir les choses avec une autre vision, plus élevée. Parce que vous êtes plus élevé qu'en étant au sol. Et pareil pour cet oiseau. Et vous avez cela en vous, c'est-à-dire que vous avez ce sens du détachement avec cette vérité profonde que vous avez en vous et qui peut envelopper les gens pour que ces personnes puissent aller vers leur changement positif et ainsi inverser la tendance qui était plutôt négative, avec pleine de doutes, où il y avait beaucoup de crasse au niveau de l'ego qui était mal aspectée. Et vous avez en fait cette parole vraie en vous et vous pouvez vibrer haut à ce moment-là. Et donc vous pouvez être vécu comme un miracle pour les autres parce que sans vous en rendre compte même peut-être jusqu'à présent, vous aidez les gens. On va terminer avec, on va pas faire la petite magie de la lune, j'ai décidé de faire avec vous les charms. Vous avez un grand cœur. Mais parce que vous avez tellement souffert que vous savez ce que c'est que la compassion. Vous savez ce que c'est que la souffrance. Vous connaissez très bien cela. Et ça a démarré avec Halloween, avec la période d'Halloween. Donc, il y a très peu de temps. Et vous avez vécu une grande transformation qui va vous permettre de retrouver votre direction, c'est-à-dire celle de l'accompagnement. Vous pouvez coacher, ça peut être au niveau physique, ça peut être au niveau moral, ça peut être au niveau spirituel, prenez ce qui vous parle. Et ça va pleinement s'activer pour cet hiver avec le sapin. Donc là actuellement nous sommes en décembre, même si c'est un tirage intemporel, mais d'ici la fin de l'année,
Vraiment, c'est quelque chose que vous acterez en conscience, vous aurez de la conscience là-dedans et vous pourrez vibrer haut puisque vous avez les réponses nécessaires pour savoir le miracle que vous êtes pour les autres. Et c'est en lien avec votre vie professionnelle chez vous, comme pour moi. Il y a tellement de synchronicité à chaque fois entre le tirage que je fais et puis comment aussi cela vibre pour moi. C'est très intéressant. Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela a vibré pour vous. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'ai également un site internet où je fais des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins parce que j'ai plusieurs casquettes. Enfin, j'ai un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme sur des aspects très importants pour votre propre évolution. Cela marche par abonnement et le fait de vous abonner va vous permettre également de visualiser toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Enfin, j'ai une nouvelle chaîne YouTube en anglais, donc si vous parlez anglais ou si vous souhaitez mettre des sous-titres, vous aurez d'autres guidances parce que je ne fais pas forcément les mêmes guidances et comme cela, vous aurez un bonus supplémentaire pour avoir d'autres tirages de ma part si vous le souhaitez. Voilà, mes chères belles âmes, je vous souhaite une très belle matinée, journée ou soirée, où que vous soyez et à n'importe quel moment de votre vie. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un ravissement de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Quel miracle vous êtes pour les autres! Donc, nous allons voir avec ce troisième choix du cercueil, voir ensemble quelles sont vos énergies ou votre état d'esprit du moment qui, j'en suis sûre, est connecté au miracle que vous êtes pour les autres. Une autre carte, s'il vous plaît, avec le Prism Color Oracle. Alors, vous êtes ou vous êtes en train d'entrer dans une sphère nouvelle qui rappelle la confiance en soi. Vous êtes de plus en plus connecté à votre troisième œil et si vous êtes fatigué parfois ou que vous sentez des énergies lourdes le matin, c'est parce que vous téléchargez pas mal d'informations pour que vous puissiez aller retrouver votre foi, votre confiance en vous et être connecté à ce qui est plus grand que vous. Et ainsi, cela va éclairer aussi votre troisième chakra pour que vous puissiez avancer comme vous le souhaitez. S'il y a des pointes de fulgurance ou d'informations nouvelles ou de choses où vous avez l'impression de sentir que quelque chose est en train de bouger, restez avec moi parce que vous êtes à ce moment-là dans le bon choix, mes chères belles âmes. Donc, il y a en fait une forme de transformation parce qu'il y a le cercueil. Ça peut être dû à un événement impromptu, brusque, douloureux. Ça peut aussi sonner le glas avec une mort d'un proche, d'une disparition d'un proche ou d'un animal. Cela peut être le cas aussi, d'accord? Alors, nous allons voir ensemble quel miracle vous êtes pour les autres. Et chez vous, j'ai envie de prendre le soleil radiant pour mettre de la lumière et un éclairage nouveau pour le miracle que vous êtes pour les autres. Plus vous allez vous faire confiance et plus vous allez inspirer les autres parce que vous avez inspiration. Donc, quand je parle d'inspiration, ça peut être quelque chose d'indirect. Par exemple,
Parce qu'il y a en fait deux formes de personnalité selon les personnes qui regardent cette guidance. Donc le premier cas, vous pouvez être inspirant parce que vous pouvez avoir des idées que vous allez mettre en place et que vous allez mettre tout en œuvre en mettant une belle énergie sans essayer de douter ou en tout cas en ne montrant pas cela. Et ça peut être vraiment une source d'inspiration extrême pour les autres. Vous pouvez être vécu comme un miracle parce que vous pouvez partager vos succès et montrer que tout est possible. Et à ce moment-là, vous inspirez irrémédiablement les autres. C'est comme si vous permettiez, avec votre belle énergie, de permettre aux gens de mettre eux-mêmes le pied à l'étrier pour pouvoir s'inspirer eux-mêmes, être inspirés, avoir une énergie nouvelle pour mettre en place quelque chose de neuf, un nouveau projet, une idée, quelque chose qui a germé ou la réalisation d'un rêve. C'est comme si vous aviez le pouvoir de mettre les gens, de mettre le pied à l'étrier pour les gens. Vous inspirez les gens parce que vous vibrez avec cela. D'accord? Alors, j'ai besoin d'un petit éclairage. On va prendre pour les deux autres cartes avec l'oracle du Earth Alchemy Oracle. Alors, laissez-moi checker juste ça pour vraiment avoir les informations. Vous savez ce qu'est la porte, la perte, qui est aussi une porte. Vous savez ce qu'est la perte, ce qu'est le deuil, ce que c'est que de fermer une porte, justement, pour en ouvrir une autre et accéder à un nouveau portail, un nouveau projet, une nouvelle naissance. Et donc, vous avez le recul nécessaire lorsque vous êtes au contact des autres. Et parfois, sans même vous en rendre compte, vous bluffez les gens avec le bluff. Vous n'en êtes pas assez conscient, hein. C'est pour cela que cette carte est à l'envers, le bluff. En fait, vous pouvez bluffer les gens par votre sens du détachement, même dans des moments très douloureux, et notamment au niveau du deuil, de la perte. Parce que vous savez ce que c'est. Vous internalisez beaucoup. Et en fait, les gens vous voient comme un miracle parce que vous avez la capacité d'être dans un ton juste. Et donc, vous bluffez les gens. Parce que vous avez cette capacité d'aller avec le flot, d'aller avec le flux de la vie et d'accepter ce qui arrive et de ne pas être en résistance. Et ça inspire énormément les gens. Vous inspirez les gens parce que... Voilà, j'ai l'image de Keanu Reeves. Vous savez, cet acteur américain qui a des origines Cherokee, qui a vraiment un regard particulier sur la vie, un physique particulier, une façon d'être, une posture, une gestuelle particulière. Et il est totalement reconnu là-dedans. Il est admiré pour cela parce qu'il a une forme de détachement malgré tous les drames qui ont jalonné sa vie. Et vous avez cela aussi. Vous avez cette énergie en vous. Admirable, qui fait que vous allez avec ce qui est, comme si tout était juste et que vous ne résistiez pas à ce qu'est la vie, c'est-à-dire la douleur, la perte, le deuil, l'indicible. Vous avez une capacité d'acceptance qui est vraiment là et qui inspire les gens eux-mêmes à se dépasser. Donc vous avez en fait l'énergie d'un gourou bien aspecté. Parce que c'est vrai que en français, le mot gourou est vécu comme quelque chose d'assez négatif parce que on le met à la sauce d'une personne qui est à la tête d'une secte et qui est donc sectaire et qui est dans le dogme, etc., etc. Mais le bon aspect du gourou, c'est comme l'ego, hein. Il y a le bon aspect et le mauvais aspect, hein. Donc le bon gourou, c'est celui qui est bien aspecté et qui a ce détachement qui fait que vous pouvez avoir confiance directement en ces personnes parce que vous savez
Vous ressentez que ce ne sont pas des personnes qui sont avides de pouvoir et d'avoir de l'ascendant sur les autres. Et Keanu Reeves, malgré son pouvoir, malgré sa fortune, il est resté très humble, il prend les transports en commun. Quand il voit que le travail a été bien fait, eh bien, il est prêt à donner de sa personne et à offrir par exemple une moto pour chaque technicien parce qu'ils ont fait une bonne du bon boulot par exemple. Donc il y a une forme de détachement qui fait que vous inspirez énormément les gens. Et donc vous êtes vécu comme un miracle parce que beaucoup de gens aspirent à être comme vous. Vous êtes en fait un exemple. Et je sais que pour certaines personnes, ça ne vous fait pas plaisir parce que les gens ne voient pas aussi tous les combats que vous menez à l'intérieur de vous. C'est pas quelque chose que vous montrez aux autres. Mais ça fait partie de vous. Vous êtes comme ça. Alors moi, j'ai envie de voir avec vous le spirit animal pour voir quel animal vous accompagne là-dedans parce que c'est vraiment très intéressant. Ces énergies. Donc j'aimerais en savoir plus et pour moi et pour vous, par quel animal vous êtes accompagné dans ce processus pour vraiment inspirer les gens. Bah oui, voilà. Vous avez l'énergie du faucon avec vous. Donc c'est vraiment le détachement. Hein. Rappelez-vous, il y a l'isolation. C'est vraiment le détachement, le fait de prendre de la hauteur sur la situation. The hawk. Donc c'est le faucon. Donc vous avez cette capacité vraiment d'avancer, de faire le deuil beaucoup plus rapidement qu'une autre personne ou que la moyenne. Et c'est ce que l'on trouve d'admirable chez vous, mes chères belles âmes. Vous avez vraiment cette capacité de vous détacher d'une situation, même pour vous, ce qui n'est vraiment pas donné. Parce que forcément, par exemple, vous avez du recul par rapport à une personne tierce, mais vous avez aussi du recul par rapport à vous, parce que vous êtes une très vieille âme. Et c'est pour cela que les gens le ressentent profondément. Et je me sens extrêmement connectée à vous parce que c'est tout un cheminement de pouvoir avoir ce recul. Vous avez dû travailler énormément sur la codépendance, hein? Bravo à vous. Bravo à vous. On va voir aussi avec les maîtres ascensionnés, que sont les maîtres ascensionnés, si nous pouvons avoir d'autres informations sur le miracle que vous êtes. Parce que vous inspirez les autres au travers de votre vie, au travers de votre capacité à renaître de vos cendres, à avoir du recul sur la vie, même sur vos propres drames. Donc vous avez vraiment cette énergie commune avec Keanu Reeves, hein, parce qu'il est un peu secret, il ne dit pas tout, et donc parfois ben, les gens fantasment sur des personnes telles que Keanu Reeves parce que voilà, il se demande mais comment il fait, mais c'est incroyable, toute cette gentillesse, toute cette capacité de recul qu'il peut avoir. Et lui aussi, hein, il est un ange sur terre, c'est une très très vieille âme. Donc travailler avec des cristaux peut être vraiment bénéfique pour vous afin, on me parle de rayonnement. Afin de pouvoir rayonner sur les autres et pouvoir travailler en adéquation avec les cristaux, parce que vous êtes un guérisseur, que les cristaux peuvent vous faire du bien, notamment le cristal de roche. Et continuez à porter de l'aigle marine pour certaines. Ah ben d'ailleurs, on l'a, l'aigle marine, hein, donc c'est pas pour rien, j'avais oublié. Mais on me transmet cette information de continuer à porter de l'aigle marine si vous ne le faites déjà.
Oui, pour que vous puissiez aussi avoir la capacité de transmettre votre savoir et de pouvoir permettre en conscience de continuer à inspirer les gens, si c'est quelque chose que vous souhaitez, hein, d'accord? Je n'ai vraiment rien d'autre à ajouter pour ça. Vous avez une capacité de transformation, de renaître de vos cendres. C'est pour cela que vous avez choisi ce cercueil, hein, mes chères belles âmes. Donc nous allons terminer avec la petite magie de la lune. Oui, vous allez évoluer rapidement. 2024 va être très important pour vous, même si c'est un tirage intemporel. Ou alors 2024 a été un tirage, a été une année très importante pour vous, si vous regardez ça plus tard. Alors, que nous dit la petite magie de la lune? Amour, c'est pas beau? La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. Vous avez une sagesse, écoutez votre cœur. Retourner à l'intérieur de vous pour vraiment continuer à vibrer d'amour pour vous et pour les autres, parce que vous êtes une source d'inspiration pour les autres, toutes les personnes que vous rencontrez, vous les inspirez d'une manière ou d'une autre. Laissez faire le processus tranquillement, parce que c'est quelque chose qui est tout à fait naturel pour vous. Vibrez haut, continuez à croire en vous pour vous illuminer et illuminer les autres de tout cet amour que vous avez en vous, vous n'avez pas besoin de faire des efforts en plus. On va aussi terminer avec, parce que ça j'adore, les charms. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est une clé. Ben voyez, vous avez la clé. Vous avez la clé de l'amour. Hein? Vous avez la clé de l'amour que vous pouvez transmettre. Et encore une fois, vous avez une autre clé de l'amour que vous pouvez transmettre. Et encore une fois, vous avez une autre clé, celle de votre sagesse, et qui apporte de belles opportunités pour les autres parce que vous inspirez les autres. Vous avez vu, trois clés, c'est pas pour rien. Vous êtes une très vieille âme et vous avez toutes les capacités en vous, toutes les ressources en vous. Et si les portes sont trop fermées à cause des doutes, etc., n'hésitez pas à aller consulter un thérapeute. Je peux également vous aider à ouvrir toutes ces portes parce que c'est très important. Vous êtes un artisan de lumière et c'est important que vous puissiez aller vers votre éveil pour que vous puissiez continuer à accompagner les gens de manière plus consciente. Vous êtes bien évidemment, porté par vos ancêtres sur ce processus. Et vous avez évidemment la capacité, tel le lézard ici, de vous transformer, parce que le lézard, par exemple, quand il est en situation de mort imminente ou des choses comme ça, il peut se délester de sa queue pour pouvoir continuer à vivre et donc renaître de ses cendres. Vous voyez? Donc vous avez trois clés en vous et c'est quelque chose de très important, c'est relié à votre cœur. Donc vibrez haut, mes chères belles âmes, c'est la seule solution pour accompagner les autres. Et continuer à inspirer les gens. Quel merveilleux message, mes chères belles âmes. J'ai été tellement ravie de faire ce tirage pour vous. Ça me fait énormément vibrer de vous délivrer ce message important. Vous êtes un miracle, mes chères belles âmes, hein? Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site, au travers de toutes les consultations thérapeutiques différentes que je donne selon vos besoins. Enfin, j'ai un Patreon. Ce sont des contenus spirituels afin que vous puissiez cheminer
à votre rythme, sur tous les enseignements au niveau spirituel pour que vous puissiez évoluer tranquillement. Cela marche sous forme d'abonnement et cela vous permet d'avoir accès à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent sur mon Patreon. J'ai également une nouvelle chaîne YouTube en anglais. Je me suis lancée en anglais afin de vous accompagner de manière encore plus déterminée au niveau international. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous parlez anglais ou si vous souhaitez mettre des sous-titres en sachant que je ne fais pas forcément les mêmes guidances. Comme cela, ce sera comme un bonus pour vous pour avoir d'autres guidances si vous aimez mon énergie. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.